Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Marvel's Spider-Man. On enchaîne toujours l'histoire principale, cette fois-ci on est bon, on peut la finir sans trop de sushis. On va à Fist voir si Tante May est en forme. On a un doute. On sait. Peter, en attendant le retour de Miles, le mieux qu'on puisse faire, c'est de nourrir tout le monde. Miles a disparu. Oh Peter, je suis si contente de te voir. Comment tu te sens? Je vais bien. Et toi, Tante May, tu t'en sors? Oui, mais je n'arrête pas. Oh, laisse-moi te... Oh, doucement. Je vais bien. Mais, c'est pas toi qui m'as dit un jour que je devais accepter d'être un humain comme tous les autres? Toi et Ben, vous avez le don de retourner mes paroles contre moi. Je vais bien, Peter. Un peu surmené, c'est tout. Il est où, Miles? Il peut pas t'aider un peu? Oh, mais si. Il est parti chercher des fournitures médicales au centre. D'accord. C'est fou à quelle vitesse on consomme les antibiotiques. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu prends un moment pour décompresser. Moi, je m'occupe de la cargaison et j'appelle Miles, d'accord? Bien. Mon amour propre de Parker a été blessé. Il faut le soigner. Allez, Miles, réponds. Je me fais déjà assez de soucis pour Tante May. Il a un bug d'écran, regardez. Il a une vieille tache noire en plein milieu. Oh, on va jouer Miles! Je viens de comprendre. Nice! Quand il y a eu le fond du noir, je me suis dit, c'est bon, on va jouer Miles. Et maintenant, on va jouer l'écran noir. Chut, Mademoiselle. Tu parles d'une petite balade. Comment des prisonniers ont pu faire ça? On dirait qu'un bulldozer atomique est passé par là. Je peux pas faire demi-tour. Lorino. Le fils a besoin de ses antibiotiques. T'as entendu le bruit qu'a fait sa tête quand le gros l'a frappé? Vite, une diversion. Mon app de piratage. Ok, ça a marché. Splash. Tout ça parce qu'il a fait une blague sur sa tenue. Hop là. Il y a une pharmacie dans cette tente. C'est plus facile que prévu. J'ai une bête. Gaz. Désinfectant. Mais pas d'antibiotiques. Hey. Je dois chercher encore. Ouais, j'en doutais. Quand j'ai marché dedans, je me suis dit c'est fini. J'ai eu un doute. Mais quand j'ai marché dans le caca, juste dans cette tente. C'est plus facile que prévu. Gaz, désinfectant, mais pas d'antibiotiques. Je dois chercher encore. Ok. Hé, vous, venez par là. Ça peut s'arrêter très vite. Il y a d'autres réserves par là. Il faut que je contourne ces types. J'ai pas cet informat. Écoute, j'aime pas avoir Benson. Ça me fait nager. Donne-nous simplement l'info, puis il arrivera. Pourquoi ces super types veulent à tout prix s'en prendre au centre d'aide? C'est rapport à Osborne. Ils veulent montrer qu'il est faible et qu'il est pas capable de protéger. Ah! Je crois qu'il y avait une caisse. Ah, je suis nul! Il y a eu des missions avec MJ, on s'en est tellement bien. Enfin, ça s'est tellement bien passé, c'est fou. Il faut que je contourne ces types. Ça peut s'arrêter très vite. Les camps ont lieu pour ravitaillement. J'ai pas cet informat. Pourquoi ces super types veulent à tout prix s'en prendre au centre d'aide? C'est rapport à Osborne. Ils veulent montrer qu'il est faible et qu'il est pas capable de protéger la ville. Tout ça pour ça. Enfin, moi, je m'en fous. Qui est là? Je m'en tape. Pareil. Ces trucs valent une fortune sur le marché noir. D'ailleurs, on ferait mieux de s'y remettre. Tente de provisions. Des kits de premiers soins. Mais pas d'antibiotiques. Je vais bien trouver. On dirait qu'ils veulent se garder tout le matériel. Oh mec, on va passer. Ils n'ont pas intérêt à nous la faire à l'envers. Hé, hey, vous avez pas intérêt à nous la faire à l'envers. Faut que j'évite ce sniper. Détends-toi, vieux. Tout le monde aura sa part. Personne essaie de t'enfler. Mec, me colle pas la honte. Ouais, c'est bien. J'ai entendu un truc. En bourrant en plein milieu, c'est passé. On est même fun. D'autres réserves. Alors? Allez, faites que ce soit la bonne. Oh. Nice solo. Parfait. Tiens, t'avais dit que c'était le Rhino. Ce mec est vraiment très grand.
Je l'avais dit, ce serait le rhino. Voilà le bulldozer atomique. Le planning et les lignes de ravitaillement. Vite ! Yaskadal ! Messieurs, excusez-le. Mon associé est... un peu rustre. Il ne connaît rien à l'art délicat de la persuasion. Arrêtez ! Oh ! Je vais me faire repérer. Voir ça. Faut pas que je me fasse repérer. Et je pense que je vais me faire repérer. La caisse ! Non ! C'était quoi ? Va voir. Vite ! Cours ! Je crois pas qu'il m'ait vu. C'est le moment de fouiller. Non ! Je sais que t'es là ! Montre-toi ! Ah ouais. Ah bah, je croyais que je pouvais passer. Voyez. Mais non. Je croyais que ce serait un moment, vous savez, faut courir plus vite que le rayon. Je crois pas qu'il m'ait vu. C'est le moment de filer. Non ! Je sais que t'es là ! Montre-toi ! J'ai pas de temps à perdre. Le tunnel. On s'amuse avec lumière maintenant ! Oui, moi m'amuser avec lumière maintenant. Pitié, fais qu'il ne voit pas. Fais qu'il ne voit pas. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps ? Que sera ma vie ? De ces nuits, pourquoi, pour qui ? Et ce matin, qui revient ? Pour rien ? Le cœur qui bat ? Et merde ! Pour qui ? Ah putain, c'est là. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est toujours très bon. C'est vrai. Trop près. Faut que je sorte d'ici. Très loin de la sortie. Wouhou ! Les égouts ! Nice ! Je me dis que ça va pas rester fermé très longtemps. Sésame ? Merci. Je cache ! Oh la vache, il faut que je me tire d'ici. Pas passer loin, hein, effectivement, je confirme. Fini de jouer. Là-haut, je serai peut-être plus. Quand je te trouverai, je t'écraserai. C'est ma seule chance. Ok. Et je cours. Je me raccroche à la vie. Je vais faire dégager le passage. Je me saoule avec le bruit des gens qui m'entourent. Merci. Go, go, go. Mais non, y'a personne, Rhino. C'est comme cache-cache. Oulala. Ça se passe plutôt bien, Miles. Bon, c'est l'anarchie dans les rues, mais... Anarchie, c'est chez DC.
C'est pas fini, il y a le scorpion qu'on n'a pas vu. Je devrais prévenir May que je les ai. Lâchez-moi! Ah, il va utiliser le... portefeuille. Son nouveau crochet. Au allez secours. Allez. Hé, hey, laissez-le tranquille. Alkers, ils sont deux. Grosse erreur, gamin. À mon avis, originalement, oh, il est aussi blond que moi. Les gens comme ça. Quoi? Comme ça? Raté. Ok. C'est qui mordrait? Les hanches droites. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? Dans deux secondes, il racontera plus grand chose. Boum! Oui! Ça fait mal à la main, mais... Wow. T'en veux aussi? Non, non, c'est bon. Oh, les gros durs. T'en veux aussi? Faut que je travaille mes répliques de baston. Là, maintenant que t'es fort, oui. Amoxicilline. Hé, hey, j'arrivais pas à te joindre. Toi bien? Hé, hey, au fait, vous énervez pas, mais... il y a un truc qu'il faut que je vous raconte. Comment s'appelle... Hein? J'ai un truc à te dire. Ce moule couille, dans cette position, dis donc, c'est incroyable. Hop les. Wouhou! Terminé, level up! C'est impressionnant, Miles. Reste à proximité du fils. On sait jamais. Les détenus pourraient s'en prendre au refuge. Ouais, j'ai pris de l'avance. S'il arrive quoi que ce soit d'autre ici, je vous tiens au jus. Super. Merci, Miles. Merci! Yuri? J'ai compris le plan de Reno. Il s'en prend au centre d'aide d'Oscorp. Je pense savoir où il va faire son prochain cours. On nous a signalé un éventuel séisme, voire beaucoup de casse dans le centre de Harlem. Ça lui ressemble! Je me rends là-bas. Ça va comme vous voulez? Je suis crevé, mais je tiens le coup. On va s'en sortir. Gardez espoir. T'inquiète. Espoir, c'est mon deuxième prénom. Ah, j'ai raté. Hop là. Faut qu'on se magne un petit peu, parce que là, il y a 3 km à faire, c'est quand même un petit peu long. Allez. Ligne droite, hein, cette fois-ci. Hein. Casse-toi avec ta... Quoi de neuf? Ça va? Oui, ça va. Je consulte les rapports de score. Et ça n'a aucun rapport, mais... tu te souviens de la fois où on est allé à Staten Island avec Harry? Pour trouver la meilleure pizza de la ville? Ouais. Et que 10 heures pour une croûte brûlée, du fromage industriel mal cuit. Bien. Oublié. Ces vieux fichiers de score m'ont fait penser à cette journée. Harry était si content de prendre le ferry. Ça m'a rappelé à quel point tout était plus simple à l'époque. Pas de boulot, pas de méchant. Tu te souviens, on pouvait passer la journée à commander des pizzas. Maintenant, j'ai l'impression que si on s'accorde une sieste, le monde entier va s'écrouler. Ouais. J'ai pas droit, mais... d'accord. Pas facile, la vie d'adulte. Mais bon, on se donne du mal pour que notre gosse puisse s'aventurer à Staten Island à leur tour. C'est un peu... le cercle de la vie. Le cercle de la pizza. Ouais, t'as raison. Le J'aime cercle bien de la pizza. Merci. What the fuck? Elle a vraiment envie d'une pizza, apparemment. Elle devrait se l'accorder. Elle la mérite. Quand je vois les infiltrations qu'elle fait, elle la mérite. Ça, c'est clair. Girls power, y'a pas de soucis là. D'ailleurs, je suis étonné que. Ouais, non, pas étonné. J'allais dire, je suis étonné qu'on n'ait pas de Spider-Gwen ou n'importe quoi. Bah alors, tu veux pas? Ah, il voulait pas faire le super saut. Très bien. Hop. Mais vu qu'on a Miles, je serais pas étonné que pendant le combat final, on apprenne qu'il se fasse mordre ou un truc comme ça. Je veux dire, il est pas là pour rien, Miles Morales, hein. C'est quand même... un personnage ultra important. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Miles.
Ça c'était moi, non? C'est oui. Pas bien de s'en prendre au plus petit, Rino. Tout le monde est plus petit que moi, donc. Ou on pourrait aussi en discuter. Ouais. Rino, tu joues en équipe maintenant. Je te croyais solitaire. La fin et les moyens, Hank. Tout se résume à ça. Ok. Bouf. Avec quoi? On va le charger à fond. Et c'est quoi la fin de ce moyen-là, au juste? La liberté. La vraie. Lugerino. Allez, viens. Bouf. Et tu manges. Crac. C'est mal. Et c'est pour ça que c'est bon. Oh, je l'aimais bien cette tenue. Elle te va bien. Allez, tu bouffes encore. Ok, Rino. Finissons sans... Ouais, je me disais c'était un peu trop facile. Wouh. La jolie flaque. N'envoyez jamais un enfant de 8 tonnes faire le travail d'un homme. Finissons-en. Scorpi, c'est bien. Laissez mal poli couper la parole comme ça. Qu'est-ce que t'aurais fait si j'étais pas arrivé? Tu l'aurais supplié d'arrêter? Oui, Karga. Je sais pas comment c'est ce que t'aurais fait. Oh, on dirait un vieux fou. Hop là, raté. Et donc, vous avez doublement raté tous les deux. Raté encore. Est-ce qu'il reste des choses à lui envoyer dessus? Scorpion. Fléchette, et bouge. Raté. Des 6. Des 6 à point. Qu'est-ce que tu dis des 6 qui ont tué Spider-Man et accroché sa tête au mur? Raté. Raté aussi. Ouf. Raté encore. Oula. J'écraserai bestiole tout seul. Raté. J'ai plus rien à jeter dessus. Ah si, j'en ai encore par là. Viens par là, mon beau. Hop, raté. Toujours aussi mauvais, par contre. Tu sais, on pourrait s'arrêter maintenant. Je veux dire à personne. Raté. Tiens, bouffe. Raté. Wouh, joli. Eh ben, dis donc, c'était un combat de boss extrêmement simple. Ou alors, je suis devenu très très bon. S'il découvre que t'as échoué! Que j'ai échoué? Eh ouais, espèce de demeuré! Ah, il le rend ultra vénère. Je crois que c'était fait exprès. Non? Non, même pas. Vous allez passer un peu de temps ensemble! Vous finirez peut-être par vous entendre! Ah, c'était joli. J'ai pas compris pourquoi il l'avait énervé, mais. Le dard et la corne. Yuri? Nice. Et 2-4! Il reste plus qu'Octavius et Lee. Ils ne se laisseront sûrement pas faire. Ceci dit, ce n'est pas notre seul problème. L'épidémie du souffle du diable continue de s'aggraver et Oscorp reste vague au sujet du sérum. J'ai peur qu'ils essaient d'en tirer profit. Martin Lee, maintenant. Ça ne m'étonnerait pas de la part de notre chère mère. Je m'occupe du souffle du diable. J'ai quelqu'un sur le coup. D'accord. On va envoyer MJ faire une quête. J'ai parcouru les bases municipales, nationales et fédérales. Si le laboratoire secret existe, il n'y en a aucune trace. Le dernier endroit qui me reste fouillé, c'est les fichiers personnels de Norman. J'ai déjà fouillé dans son ordi au bureau. Tu voudrais que je m'infiltre dans son appart? Ça me l'a posté des agents dans tout l'immeuble. S'ils m'aperçoivent, la fusillade risque de faire des victimes. Je sais, mais peut-être que moi, je peux le faire discrètement. J'entre en douce, j'obtiens l'adresse du labo. Est-ce qu'il va dire oui? Je t'appelle en renfort. Ok, c'est risqué, mais on a besoin de cette adresse. Attends que je me poste pas loin avant de te lancer. Je me tiendrai prête. Parfait, il a dit oui! Il a fini par dire oui à sa partenaire! Nice! Very nice! Ok, on y est. S'il te plaît.
MJ ? Ok, MJ, je suis à deux rues pas loin. Dis-moi si t'as des ennuis. Là, ça va être une séquence d'infiltration avec MJ. C'est cool de pouvoir... Alors j'espère que ce sera une séquence d'infiltration avec MJ et avec Spidey. C'est-à-dire que Spidey qui élimine, comme on a vu dans Grand Central, petit à petit, tout ce qu'il peut y avoir de face à lui, face à MJ. Merci, Peter. Souhaite-moi bonne chance. Bonjour. Ok, l'appart de Norman se trouve au dernier étage. Mais excusez-moi, il y a du monde dans le hall. Est-ce que tout va bien? Les résidents ont été priés de libérer leurs appartements le temps que Sable International effectue une inspection. Ouais, d'accord. Sable est là pour fouiller. Il ne pourra pas s'en remettre. Aux prochaines élections, il va se faire là. J'adore le petit discours. Il a une poste de sécurité. Mais ce garde va me voir si j'entre. Les résidents sont sur les nerfs. Je pourrais jeter de l'huile sur le feu pour faire diversion. Ouais. Bonjour. Ah, plus on reste au rez-de-chaussée, plus on a des chances d'attraper cette saleté. Oh, vous approchez surtout pas du réceptionniste. Il tousse comme un vieux phoque. Quoi? Il faut qu'il nous laisse remonter, alors. Oh, elle est horrible. J'ai oublié mon inhalateur en haut. Il paraît qu'on a le droit de monter en cas de force majeure. Une urgence médicale, ça devrait passer. C'est vrai? Venez, on va parler à la sécurité. Ça y est, les gens commencent à se rameuter, regardez. Hé hey, enfin, dernier, c'est nous remonter. J'ai une urgence médicale, ça peut pas attendre. Oh la vache, je peux plus respirer. Pourquoi Osborn n'est pas en bas? Laissez-moi monter. Il passe toujours à travers les mailles. Le maire et ses amis sont exemptés. La sécurité a laissé monter un de ses plus grands donateurs, sans problème. J'en étais sûr. Tout ça, c'est magouille et compagnie. Mais oui, c'est la politique, hein, c'est magouille et compagnie. Ça devrait suffire. Ah, bon. Ah, bon sang. Jerry, amène-toi, on a un problème. Fichez le camp tout de suite. Poste de sécurité. On est aussi important qu'Osborn. Je dois arriver à la porte sans me faire repérer. Je vous en prie, gardez votre calme. Sable International a presque fini son inspection. Je vais devoir faire le tour. Vous avez déjà dit ça il y a une heure. Je comprends votre impatience, mais je vous le rappelle. Sable fait tout ça pour votre sécurité. Ouh, qu'est-ce que c'est ? Salut, toi. Ouh ! Je connais des agents de Sable qui adoreraient te rencontrer. Nice ! Elle a un taser. Ça s'appelle ça pistolet paralysant, mais... Je fais une ronde. Je vous tiens informé. Je l'aime bien, ce machin. Il faudrait qu'il se retourne. Qu'est-ce que c'était ? Voilà. Évolution de gameplay, hein, littéralement. Vous avez vu, maintenant c'est en deux temps. Je suis sûre que Sable offre des primes de risque. Les commandes de l'ascenseur sont dans le poste de sécurité, près de l'agent de Sable. Près de qui? Mary Jane Watson, super espionne. Ouais. Elle a déverrouillé l'ascenseur. Nice. Oh, Silver Sable, elle est là. Et Norman, oui, j'avais pas vu que c'était les deux, d'accord, ok, très bien. Ça a marché. Norman quitte les lieux et l'ascenseur est déverrouillé. J'ai plus qu'à monter. Ok. Et maintenant ? Même plus d'agents de la police, très bien. Accès au dernier étage, c'est bon. Norman et Sable, comme prévu. Hop les. Saleté de bouton, inutile. C'est pas passé loin. Et le fait qu'elle entende l'ascenseur monter, par contre, c'est pas impossible, simplement, hein. C'est même sûr. Donc là, normalement, elle est déjà en train de dire qu'il y a quelqu'un qui a soit appelé l'ascenseur alors qu'il est censé y avoir personne en haut, soit quelqu'un qui était dans l'ascenseur pour monter, et c'est pour ça que l'ascenseur monte. Vous voyez ce que je veux dire? Principe de base dans l'ascenseur, quoi, merde. Ok. Les gardes de Norman sont tous partis. S'ils dissimulent quelque chose ici, je vais mettre la main dessus. Ah bon. Porte coupe-feu enclenchée. Lancement du diagnostic autonome. Merci de garder votre calme. Le père et le fils Osborn. Belle photo. Oh, un casque ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi cette chose ?
un plan pour un prototype de masque de combat. Apparemment, il détecte les faiblesses structurelles. Ouais. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Je vais le porter. Apparemment, il y a un truc. Waouh, incroyable ce masque. Il me montre une porte cachée dans le mur. Fâche. Je me demande ce qu'il y a derrière. Norman fait ses adieux à son fils. Ça doit être quand un clavier secret derrière le portrait de famille. Norman doit être fan. Je dois trouver le code de ce clavier. Portrait de famille, donc ça doit être en rapport avec la famille, justement. Peu de chance que ce soit ça. MJ, sa grouille d'agent de sable au rez-de-chaussée. Je crois qu'il déplace Norman. J'ai peur qu'il me repère. J'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. T'approche pas trop. Je devrais m'en sortir pour l'instant. Il devrait y avoir un truc en rapport avec son fils, quelque part. Je pense. Les portes sont verrouillées jusqu'à la fin de l'analyse. Tiens. Des revues scientifiques qui dissertent sur le problème Spider-Man. C'est bizarre, cette espèce d'industrie familiale qui se focalise sur les pouvoirs de Peter. Et surtout, le fait que Norman y soit autant impliqué. Tiens, là, il y a un truc, là. Hop là. Salut ! Qu'est-ce que c'est ? Bon de travail pour un clavier numérique. Le code choisi est le dernier jour d'Harry. Sûrement le jour où Harry est parti en Europe. C'est quand ? Oh, c'est quand ? Diagnostic autonome terminé. Aucun risque détecté. Porte de coupe-feu désenclenchée. Nice. Oh, le sol ! Norman peut revenir d'une minute à l'autre. Il faut que je trouve le code de la porte. Norman a fermé à clé la chambre d'Harry. Il la veut intacte pour quand son fils reviendra d'Europe. D'accord. Mais où a-t-il rangé la clé ? Ok. J'avais oublié ça. La famille Osborne a des armoiries. Et une devise. Pax in bello. La paix dans la guerre. Il faut que je m'en souvienne, si j'écris un bouquin là-dessus un jour. Harry disait que sa mère cuisinait tout le temps. D'ailleurs, ça m'étonnerait que Norman sache se servir d'une poêle. Téléphone. Salut, papa. Je vais voir le docteur Michaels pour une dernière piqûre avant... avant le grand voyage. Et si tu me rejoins là-bas, tu peux me rapporter mon journal dans ma chambre ? Je voudrais prendre quelques notes le jour J. Enfin, voilà. Je le dis pas assez souvent, mais... Merci, papa. Pour tout ça. Je t'aime. Waouh, j'avais pas entendu la voix d'Harry depuis des lustres. Il a l'air tellement... épuisé. Pourvu que le journal soit toujours là, je vais voir dans sa chambre. Mais il me faut toujours la clé, hein, tu sais, hein, donc c'est bien de dire « Il me faut la chambre, il me faut la chambre, ma mère. » Tu sais ? Regardez-moi ça. Norman qui étale sa réussite devant les invités. Une photo a été retirée. Je me demande ce qu'il y avait dessus. Photo a été retirée ? D'où tu vois ça, toi ? Là, il manquerait un cadre. Peut-être là. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Donc peut-être que je cherche un cadre, du coup. Peut-être pas la télé, j'ai peut-être pas le temps pour regarder. La vache. On adorait venir ici se faire des films quand on était gamins, Peter et moi. Rien à voir avec le Queens. Marrant, pour Harry, c'était tout l'inverse. Il voulait toujours aller regarder des dessins animés sur la petite télé dans la cuisine de Tante May. Oh, c'est ouvert. Qu'est-ce que c'est ? Le diagnostic d'Emily en phase terminale. Je savais que la mère d'Harry était malade, mais j'ignorais que c'était génétique. Est-ce qu'Harry s'est fait dépister ? Ben c'est ça, hein. Il est sans doute malade. De la même maladie, d'où le fait qu'il s'en aille. Oh là là. Quel grand reporter tu fais ? Ah, le cadre. Le cadre.
Le cadre. Norman et Otto. Ah. Waouh. Ils avaient l'air tellement 7-3-7. Non ? Qu'est-ce qui a bien pu gâcher une telle amitié ? Je peux le prendre, je peux l'enlever, je peux faire quelque chose ? Non. Très bien. Photo de la maman. Barry, Émilie. On se moquait de lui parce qu'il la surnommait la plus jolie des mamans, mais il avait peut-être raison. Bingo ! Ça doit être la clé de la chambre d'Harry. Naïsulu ! La salle de bain de Norman prend plus de place que mon appartement. Ça me rend triste. Ah, une piscine, évidemment. Ouais, c'est bon, New York, c'est le royaume des rats et de la malbouffe. Pas de la bronzette et des cocktails. Ouais, mais je suis dégoûté quand même, tu sais, hein, ça change pas grand-chose. Allez, sésame, ouvre-toi, pardon. Quoi ? C'est pas pour Harry, ça, quand même ? Si, apparemment. T'as l'air de tellement rien savoir, enfin, je veux dire, de tellement pas faire de lien, que c'est impressionnant. D'Harry. Le dernier texte remonte 0718. Ça doit être ça, le code secret. Départ pour l'Europe aujourd'hui. Ah, je sais pas trop comment ça va se dérouler. Mon père dit qu'il n'y a pas de risque, mais c'est mon père. D'après le docteur Michael, c'est plutôt du 50-50. Donc ok, je vais peut-être y passer. Si ça arrive, je parie que tu tomberas là-dessus pas. Qu'est-ce que je raconte? Tu es sûrement déjà en train de lire Céline. Norman doit tout savoir. Si tu lis effectivement Céline, papa, si ton risque zéro n'est rien qu'une énième promesse de campagne signée Osborne, sois sympa, montre la partie ci-dessous à Peter et MJ, personne d'autre. S'il te plaît, merci papa, je t'aime. À Peter et Mary Jane Watson. Salut vous deux, je suis désolé, vraiment désolé. Si vous lisez ceci, purée, je galère. Même dans une lettre imaginaire, c'est pas facile de m'adresser à vous, honnêtement. Alors voilà. Je suis malade, genre gravement malade. Les docteurs pensent que c'est le même truc qu'a eu ma mère, neurodégénérescence, vitesse grand V. Je le sais depuis un moment, mais je pensais pouvoir gérer. Je vous ai pas mis au courant parce que je vous ai pas mis au courant, voilà. J'avais peur de votre réaction. J'aurais détesté de vous faire subir ce que j'ai vécu avec ma mère. La voir souffrir, savoir que je ne pouvais rien faire, la regarder mourir a été pire que sa mort. Ça a été salement empiré ces derniers temps. Ça a salement empiré ces derniers temps. Toutefois, toutes ces fois où j'étais crevé après une soirée ou grave pris par le boulot, ni soirée, ni boulot, juste la maladie. Ce voyage en Europe, c'est une façade, je vais suivre un traitement expérimental à long terme. Mon père bosse dessus depuis une éternité. Il promet que ça va marcher, il déteste ce surnom dont les ingénieurs l'ont affublé, le souffle du diable. Ça donne un aspect effrayant à un remède miracle. Selon lui, c'est peut-être ça qu'il me faut, le souffle du diable. Un peu de mal pour beaucoup de bien. Ok, voilà mon père. Bien. Je dis juste que nous ne devons pas nous précipiter. Nous ? Vous restez là. Le sérum est prêt et je vais en superviser la production. Vous serez complètement exposé sans moi. Il semblerait que je sois aussi exposé avec vous. J'irai seul. Fin de la discussion. Gardez l'équipe 2 en stand-by. Je vais prendre l'air. Ah non ! Non, tu restes. Peter, le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo, tu peux le suivre ? Je me ferai forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. Six hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. J'aurais bien besoin d'un café, moi. Hop là. Ouf, j'ai peur qu'il se retourne, au nom de Dieu. Personne dans mon dos, hein. Je ferais mieux d'aller voir. Okay. Nice. J'ouvre pas. Qu'est-ce qui a se passé quand il est tombé sur le cadavre de son pote? La cave à vin.
Hop là, touché. Alerte générale, secteur menacé. Zéro sept, 18. Ok, 18 juillet. Bingo. Oh putain! C'est trop flippant. Il faut que je trouve l'adresse des araignées. Norman essaye de reproduire les pouvoirs de Peter ou quoi? Ouais. Et les noms sur les cages. Bio-électrokinésie? Camouflage optique? Bon sang, qu'est-ce qu'il cherche à créer au juste? C'est différent, Spider-Man! Ah, nice! Ah, trop bien! Norman Osborn, journal de recherche. Les dossiers médicaux d'Harry et Emily. Le GR27 a été mis au point pour les soigner. Quoi? Le souffle du diable est un traitement raté pour la famille de Norman. Ok, excuse-moi Norman, je te laisse continuer. Norman Osborn, journal de recherche sur le GR27. Le projet est en train de nous échapper. Le GR27 est un remède, pas une maladie. Mais allez dire ça aux journalistes. Ils se sont emparés du surnom que lui ont donné les techniciens, le souffle du diable, et s'en servent pour semer la panique. Ils n'imaginent même pas son véritable potentiel. Il pourrait guérir le cancer, les maladies génétiques. Ouais, une radio d'enfant. Mais ce n'est ni Harry, ni Emily. Qui alors? Cette aura qui l'entoure... C'est pas Martin Lee. D'accord, ça commence à sentir des fesses. Wow, Norman remporte le concours de la plus belle carte. On dirait que Norman surveille les déplacements du docteur Dr. Strom. C'est pas un expert en robotique? Ça me parle. Ça bouge pas chez le docteur Van Adder. Il doit plus être en ville. Le docteur Michaels dirige l'équipe du souffle du diable. S'il travaille sur un antisérum, il doit connaître le bon endroit. Non, il faut que je suive Michaels. Van Adder, le docteur Michaels... On peut voir toutes les propriétés d'Oscorp. Mm-hmm. Je pensais pas qu'ils étaient autant implantés à New York. Bâtiments commerciaux. Waouh, tous ces bâtiments d'archives. Oscorp se positionne à les positions des troupes de sable. Elles sont déployées dans toute la ville. Je parie que je peux localiser le laboratoire secret avec tout ça. Ça doit être une propriété Oscorp avec une tonne d'agents de sable fréquentés par le docteur Michaels. GR27. Tiens. C'est le nom de code du souffle du diable. Eureka! La 10e est cathédrale. Ce serait pas? Je le savais. 10e et cathédrale, le service des archives d'Oscorp. Et toi? C'est l'endroit idéal pour planquer un laboratoire secret. Unknown, GR35. Incident Martin Lee. Qu'est-ce que c'est? Moteur, ça tourne et action. Je serai juste à côté. Maintenant détends-toi et laisse le médicament faire effet. Oui, ah d'accord. Oh putain. C'est lui qui a fait ça. D'où la haine. Je croyais que c'était une simple consultation. Le petit semblait prêt. Je vais l'aider. Non, arrête. C'est trop tard. Arrête ça. Ah oh putain, il les a réduits en poussière. Ah non, ils sont là. Enfin bon, c'est pas beau quand même. Norma, qu'est-ce que tu as fait? Ah, il y avait Otto. Oh mon dieu. Norman et Otto. À l'origine de tout ça, ils ont créé Lee. Il faut que je prenne ça. Qui est là? Oh non. Oh. Non.
Ouh, ça va être tendu. Allez, bip, bip, bip. On a une intrusion, 42. Alerte maximum. C'est la 42. C'est pas possible. Ça devrait être celle de... Ça devrait être celle de Miles. Peter, j'ai trouvé l'adresse du labo. Et plein d'autres trucs. T'es à quelle distance? Je suis pas loin. Non, il y avait un truc tu ici. Tu me fais signe et je débarque. Super, reste dans les starting blocks. Oh, je peux plus tout voir. Il y avait un truc ici. Non! Ah, je peux plus le voir! Mince! Touché! Ok. Nice. AS-47, répondez. AS-47 est hors ligne. Que quelqu'un confirme sa position. Reçu. Non. Non. D'où il m'a vu? D'où? Il est mort, là, son mec. T'es sérieux, bonhomme? Je ferais mieux d'aller voir. Hop là, coucou. Centrale, en retour. Rien à signaler. Faut que je m'occupe de ceux sur le balcon. Celui, tu veux dire? Nice! Oh merde, il a tiré! Chef, on l'a trouvé! Bon, il suffit de tirer dans la vitre! Je suis à l'angle de l'ex! MJ, ça va? Ça ira dans quelques secondes! À l'angle nord-ouest! Non, elle va pas sauter! Ah! La patronne! Peter, t'es prêt? Attends, fais pas ça! C'est trop tard! Vas-y! Oh putain. Fouf. T'es vraiment sain. Bien joué. T'es incroyable. Bien joué, bien joué. C'était beau. C'était magnifique. C'était absolument magnifique. Et on n'a toujours pas fini le jeu. Et je suis à 4 épisodes de tournée aujourd'hui. C'est que j'allais finir aujourd'hui. Déposer au fist en plus. Tellement sympa. Il y a tellement de trucs à intégrer. Harry malade, Norman, Ellie, et Docteur Octavius. Je sais. Tout est de ma faute. Non, 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 non. Change de disque un peu. C'est fini, Peter. T'es plus tout seul. Miles et moi, on prend soin de Fist. Toi, tu trouves Norman. Tu trouves leur med. Merci. Partenaire. C'est mignon. Oh, il se tenait la main et tout, en plus. Il est toujours là. Ils vont quand même pas la transformer, elle. Ah, ça serait magnifique, cela dit, à voir.
et à faire. Mais bon, c'est pas le personnage féminin qui est censé avoir... Cela dit, il faut que je trouve cet anti-sérum et que j'arrange les choses. Je sais plus. Il doit bien y avoir un moyen de contacter Lee et Otto. Je dois les convaincre de laisser tomber cette histoire de vengeance. Ils ont fait tellement de trucs bien pour l'humanité. Ils peuvent pas jeter tout ça aux orties juste pour Norman. Bon, bah les amis, on va se laisser là. Norman est parti chercher l'anti-sérum. Il faut que je prévienne Yuri. Du coup, merci d'avoir laissé la vidéo. N'hésitez pas à la pulvériser, la commenter, la partager et vous abonner. Oui. Oscorp vient de mettre au point un anti-sérum. On a un remède. Dieu merci. Vous pensez qu'on peut diffuser rapidement? Ouais, je verrai ça au labo. À l'angle de la 10e et cathédrale. Minute. On vient de me signaler un accident d'hélicoptère dans cette zone. On dirait l'hélicoptère de Norman. Je voudrais bien vous envoyer des agents, mais je n'en ai aucun. Pas de soucis, je gère. Ce sera bientôt fini, promis. Ah, intéressant. Norman se serait fait attaquer par Otto? Ok, très bien. Eh ben on se retrouve la semaine demain pour la suite des aventures de Spidey, chers amis. Que ce soit la fin de l'histoire ou le début des DLC, on fera tout ça à 100%. Salut les gens et yop!